Bonjour, nos chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous avoir encore une fois de plus nombreux pour suivre notre rubrique de la semaine, les analyses de Madame Natacha. J'aimerais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Natacha Boyatambiana et je suis coordonnatrice de 24 critiques, un groupe de presse. Aujourd'hui, nous sommes ici devant vous pour vous parler d'un thème très, très important, c'est-à-dire un thème qui a pour but de pouvoir éveiller la conscience de plusieurs d'entre nous et aussi de faire entendre raison à nos autorités par rapport à une décision prise. Donc déjà, j'aimerais bien vous rappeler de quoi nous allons parler aujourd'hui. Il sera question pour nous aujourd'hui de parler de la proposition de la nouvelle loi électorale qui porte sur l'exigence de la représentativité de femmes au sein de l'hémicycle. Donc au moins 30% de femmes devraient être représentées aux élections pour occuper 30% de seuil aux hémicycles. Nous avons choisi de parler de ce thème parce que personnellement, moi, j'ai jugé qu'il était très important de rappeler sur certains faits qui dérangent un peu parce que entendre parler, entendre, comprendre les choses, c'est-à-dire qu'on fait une proposition de loi pour que les femmes, pour que 30% de femmes occupent le seuil de l'hémicycle. Moi, déjà, je sous-entends la politique, je vois la politique, parce que tous nous le savons comment ça se passe ici dans notre pays. Donc, une fois pour avoir droit à être élu, député, national ou provincial, il faudrait passer par un parti politique. Il faudrait être membre ou cadre d'un parti politique et être représenté par un parti politique. Donc, qui veut dire la loi électorale, elle est plus pour les femmes politiques, alors que dans le monde actuel, on prône tout le jour à ce qu'il y ait égalité entre l'homme et la femme. Nous voulons voir un monde égalitaire, c'est-à-dire dans tout le domaine, dans tous les secteurs, il faudrait qu'il y ait des femmes également, comme des hommes qui travaillent pour l'avancement et pour le développement de la société. La femme, aujourd'hui, j'aimerais quand même commencer par cette petite explication. Aujourd'hui, s'il est question de faire un micro-baladeur, poser la question même aux enfants pour nous définir c'est quoi la femme, vous entendrez tout enfant dire que la femme, c'est une maman, la femme, c'est celle qui prépare à manger pour nous à la maison, la femme, c'est celle qui nous berce, la femme, c'est telle. Donc, la définition de la femme par rapport aux entendements, à notre entendement dans la société congolaise, ramène plus la femme à une catégorie de fait ou à une qualité, à une perception. C'est-à-dire, quand on voit la femme, on comprend que c'est un être qui est censé faire le ménage à la maison, un être qui est censé s'occuper des enfants, soit un être qui est censé être épouse de quelqu'un. Alors qu'au départ, la femme comme étant un être humain, alors qu'au départ, la femme, c'est d'abord un être humain, c'est-à-dire qui a la même valeur que l'homme, l'être masculin. Il peut également accomplir la même tâche qu'accomplit l'homme. Il peut également assumer les mêmes responsabilités qu'assume l'homme.
C'est pour dire que je pense que par rapport à la proposition de la nouvelle loi électorale portant sur l'exigence qu'il y ait une représentativité de 30% de femmes aux élections prochaines, j'estime que cela, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se limite là. Parce que n'exiger que la représentativité de femmes se tienne pour les élections, je pense que c'est limiter la femme à un secteur bien précis. Alors que nous avons plusieurs femmes dans nos maisons qui ne sont pas prêtes à faire la politique et qui n'aiment pas faire la politique et qui n'envisagent pas non plus faire la politique. Alors je dirais pour ces femmes-là, qu'est-ce qui est prévu pour elles? Parce que nous avons deux femmes. Moi personnellement, j'ai des amis, j'ai des membres de famille et même dans nos églises, nous connaissons des femmes intelligentes, battantes mais en même temps, mais qui ne sont pas prêtes à faire la politique, qui n'envisagent même pas faire la politique, mais alors qu'elles sont intelligentes, elles sont en même temps capables de pouvoir faire quelque chose dans la société, apporter un plus pour la construction de la société. Vous savez, je l'ai toujours dit, n'est pas donner à la femme l'opportunité de travailler dans la société, peu importe le secteur, c'est retarder l'avancement de la société. Parce que la femme, comme l'homme, c'est une main d'œuvre de plus qui contribue à l'épanouissement et au développement de la société. Car elle a également de potentiel, elle a de qualité, elle a de capacité. La femme peut être compétente avec des formations, avec des encadrements, avec des instructions. Je veux donner un exemple. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des églises qui disent que la femme ne peut pas se tenir devant la chaire pour prêcher les hommes, parce qu'on sous-entend que la femme est celle qui est censée rester derrière l'homme. Alors que la Bible nous dit autre part qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire vos filles, vos enfants, vos vieillards auront de visions, qui explique tout simplement, donc l'esprit quand il est répandu, ça ne voit pas l'homme, ça ne voit pas la femme, mais ça voit l'être qui est disposé à pouvoir recevoir l'esprit. Je m'avais dit, vous savez comment ça se passe dans notre pays, généralement pour être élu député, il faut être membre d'un parti politique, qui veut dire qu'il faudrait commencer par faire la politique. Alors qu'il y a de ces femmes-là qui n'envisagent pas de faire la politique, raison pour laquelle mon message aujourd'hui sera beaucoup plus question d'interpeller les autorités, à revoir, non seulement à revoir, mais plutôt à étendre, à faire en sorte que cette loi va dans tous les secteurs, que dans tout le secteur du pays, pour le développement de la nation, il y ait au moins 30% de représentativité de femmes, c'est-à-dire les femmes qui occupent les fonctions, les grandes fonctions, les femmes qui occupent les postes élevés, même dans les entreprises publiques, les femmes qui font ceci, les femmes qui font cela. Il faudrait initier le programme, il faudrait initier le programme de formation. Je pense que nos autorités doivent aller encore au-delà de la politique, au-delà des élections, pour exiger à ce que la femme qui ait au moins 30% de représentativité de femmes dans tous les secteurs du pays. C'est alors qu'on connaîtra un développement, c'est alors que notre société connaîtra de l'épanouissement. J'aimerais quand même faire appel à nos autorités de réfléchir, de pousser leur réflexion un peu plus loin. Que la décision qui porte à ce qu'il y ait une représentativité de 30% de femmes
aux élections, que cette décision va encore plus loin, c'est-à-dire au-delà de la politique, même dans d'autres secteurs de la vie, dans le secteur économique, dans le secteur, peu importe. C'est parce que nous pensons tous que la femme a le droit. Et ce n'est pas sur les principes constitutionnels. Ces principes donnent droit à, femme, à la femme plutôt dans tous les secteurs. C'est-à-dire la femme a droit au vote, la femme a droit à l'éducation, à la sécurité, la femme a droit naturel, il y a des droits naturels pour la femme, raison pour laquelle nous nous incitons à ce qu'il y ait. À ce que cette décision va dans tous les secteurs. Parce que tant que cette décision sera limitée rien que pour les élections, rien que pour les votes, je pense que c'est question de limiter la femme à la politique. De la fin, je dirais que nous avons une constitution qui, dans son article 14, stipule clairement que le pouvoir public doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination à l'égard de la femme. Et ce pouvoir public doit rassurer la protection et la promotion des droits de femmes. Donc, qui veut dire, pour moi, j'estime que si seulement cette loi qui dit que la loi électorale dont je parle, qui dit qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de 30 de femmes qui soient représentées aux élections, j'estime que cela est également de la discrimination, tout simplement parce que nous savons comment ça se passe ici dans notre pays. Donc, pour être élu, pour être voté, pour être, avoir un seuil aux hémicycles, il faudrait commencer par passer par un parti politique. Donc, il faudrait être celle qui passe par un parti politique et qui est représentée, ou soit qui représente un parti politique pour avoir droit aux voix des électeurs. Alors, pour moi, j'estime que c'est de la discrimination, tout simplement parce que là, ici, on voit le clivage politique. Alors qu'actuellement, dans le monde actuel, nous avons besoin
de femmes. Nous avons besoin de femmes dans tout le secteur, que les femmes impactent le monde, que les femmes travaillent pour l'avenir de la nation. Donc, je demande aux autorités de revoir, si pas de revoir, mais de travailler de manière à ce que cette loi ne se limite pas seulement à la femme politique, mais que cette loi va au-delà de la femme politique. Je pense que ça pourra faire l'affaire. Je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis. Je suis Natacha Bouyakamiana et à la prochaine occasion. Merci.